Commençons cette vidéo. Oh. Alors, on m'a donné un petit peu de code JavaScript à review. Donc, c'est un gars qui fait pas souvent de JavaScript, de ce que j'ai compris, et du coup, qui voulait un peu des conseils. Mais je me dis, tiens, mais je peux en profiter plus de monde. Donc, c'est toujours une opportunité d'avoir du code un peu de débutant, parce que ça permet de voir plein d'erreurs. Commune qu'on fait dans le langage. Donc là, premier coup d'œil au code, le truc qui me choque, c'est beaucoup d'indentation. Puis là, je vois du point zen, indenté dans du point zen, indenté dans du point zen. On a très rarement besoin de faire ça, hein. C'est un des avantages des premiers, c'est de ne pas avoir besoin de faire ça. On voit du petit catch, erreur, console log. Bon, il y a sûrement des petites choses à revoir par là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un peu des fois des points-virgules, des fois pas des points-virgules. Bon, moi je suis de la famille, on les met pas, tant qu'à. Les prepare statements sont pas réunis. Donc en fait, SQLite. Déjà il a pris une bonne. Better SQLite 3, je croyais pas trop mal. Donc l'avantage des prepare statements, ça permet d'exécuter les queries. De les préparer une fois et de les run après à chaque fois. Donc, ce qu'on peut faire, si on n'a pas besoin de run les queries, enfin, si on les run directement, on peut juste écrire exec et ne même pas passer ça en fait. Donc, pour celle-là, vu qu'il doit les faire qu'une fois, il peut juste faire un exec, à la limite pour celle-là aussi. Exec. Mais personnellement, j'aime bien préparer toutes les queries. Donc, parce que ça permet de queries. On peut faire hop, queries. Point. Donc celle-là est fait users user table. Et du coup, ouais, ouais je peux l'écrire comme ça aussi. Hein. C'est juste que vu qu'il indente à 4, bon, on va voir que ça va quand même être moins d'indentation. Voilà. Attends, on va garder ça. Et du coup, ici, on peut écrire queries user table get. Ça se discute, hein. Mais en fait, l'avantage, c'est que du coup, là, toutes les requêtes, elles sont créées au début. D'un coup, là, bim, il nous crée toutes nos requêtes. Donc là, on va faire create table. Puis elle, ça va être create table index. À quelle table? Ah, pourquoi il me sélectionne? Create. Pourquoi il me sélectionne pas le. Create table, create user table, users table. Voilà. Donc du coup, ensuite, c'est le truc là qu'on fait. Queries.run. Donc si il en a pas, donc c'est-à-dire si c'est égal à 0, donc il n'a pas eu de résultat. Dans ce cas, il l'a créé. Ok. Pourrait pas juste rajouter un if exist et puis le faire à chaque fois sans se prendre la tête. Pourquoi est-ce qu'on attend que Paquito soit ready pour faire ça? Aucune idée. On n'a pas du tout besoin que Paquito soit ready pour faire tout ça. On peut le faire direct là. Ensuite, ça c'est pareil, c'est de la donnée statique. Par ça, j'entends que. Bah, c'est tout le temps la même quoi. Elle change pas. On peut la sortir, on n'a pas besoin de l'indenter. Pareil, c'est un peu un de mes combats, moi, c'est d'essayer de ne pas avoir beaucoup d'indentation. Là, c'est pareil, cette fonction n'a rien à faire là, elle peut être entièrement. Et puis, c'est un beau one-liner, autant le faire en une ligne, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on log bonjour, on est en ligne. Et là, un intervalle, et bim, il se passe un truc.
Bon, je suis pas fan de ça. Je ne suis pas fan de ça. Je vais sortir ça. On va l'appeler. Donc une fois qu'il est en ligne, il veut faire une action. Je sais pas quoi. On va l'appeler check. Pour le moment, le temps que je comprenne exactement ce qui se passe. Et vu que j'ai vu qu'il y avait des promises de partout là-dedans, je vais le mettre en async. Donc là, il récupère un channel. Donc plutôt que de faire .zen, on va faire ça. Comme ça, on enlève un niveau d'annotation. On s'occupera du catch à la fin. J'hésite à le faire en deux étapes, à montrer comment on le refactore correctement sans async await, puis comment en fait on peut le faire passer en async await. Bon, je vais faire directement en async await. Mais cela, en fait, il y a déjà un truc qui n'est pas bien compris au niveau des promesses. Mais qu'avec Async Await, on n'a pas trop besoin de comprendre. J'enlève, je nique juste l'indentation. Et là, pareil, collected. Hop là. C'est déjà quand même un peu mieux. Pourquoi c'était un entier de x2 à chaque fois? Ah oui, parce que c'est le point z puis le. Donc ok, donc déjà là on y voit un peu plus clair avec async await, clairement. Donc si ça c'est égal égal à nul. Généralement je mets que 2 égal pour nul aussi, parce que ça check undefined. Ça fait les deux. Peut-être que j'aurais pu juste mettre note si j'en ai pas. Dans ce cas, je ferai plutôt si j'en ai un. Si j'en ai pas, je fais ça. Donc si on n'en a pas, on en crée un. Sinon, on en ferme. Alors par contre, là, il y a un truc interdit. C'est un prepare statement avec des valeurs qui sont mises directement ici. Donc ça faut pas faire. Hein. Ça faut pas faire. En fait, quand on fait un prepare statement, je crois qu'on met un point d'interrogation ici. Et après, on peut passer l'argument comme ça. Me semble. Bon, voilà, ça. Vérifier que ça marche. Mais en tout cas, il y a un truc de genre là à faire. Et du coup, ce statement-là ne change jamais. C'est tout le temps le même. Donc celui-là, il fait get user. Donc on va l'appeler. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il dit. Ok, donc. Je l'ai enlevé où? Ah oh, c'est celui-là, je l'ai pas enlevé en fait. Ouais, c'est celui-là. Donc, on va faire where Discord ID user where Discord ID. Ça nous permet de choper le user. Donc là, on va écrire. Pili pipi papi. J'ai pas mis get dans le nom parce qu'on fait un point get après. Donc user where Discord ID et un queries user where Discord ID bim action. Donc si on veut automatiquement le crochet 01, parce que j'ai l'impression que tu utilises tout le temps le crochet 01. Ce qui est bizarre, c'est pas le premier, c'est le deuxième. On peut faire ça. On peut faire. On skip le premier. Et là, on l'a. Et je vais l'appeler du coup user Discord ID. User Discord ID. Du coup, à la place de tout ça, on va mettre ça. Ensuite, check if user exists. Donc ça, on va l'appeler simplement user. On n'a pas besoin de faire un truc bizarre là. Ensuite. Bon, après, là, entre écrire ça ou écrire ça, ça revient à peu près.
Ça, même ça, je trouve ça mieux. Mais quand j'en ai qu'un, en fait, quand il n'y a pas le truc bizarre de la virgule et que je veux prendre crochet 0, qu'est-ce que je fais souvent? J'aime bien l'écrire comme ça plutôt que d'écrire crochet 0. Bon, là, pour ce cas-là, effectivement, c'est pas mieux. Alors, le filter, await reaction, filter, c'est quoi? Il faudrait décrire ce que fait ce filtre plutôt que de l'appeler juste filter. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait que emoji.name est égal à check et que user ID n'est pas égal. Donc. User reaction. Pas sûr exactement, mais c'est de trouver le nom de son truc. Et user ID qu'on lui passe ici. Donc cette fonction est aussi pure, donc on peut la sortir. Elle n'a pas besoin du scope de son parent. Très bien. Donc, send randomly. Généralement, randomly, alors qu'il prend un array. Ah, d'ailleurs, il s'en sert quoi de randomly? On peut même faire ça directement, hein, parce que c'est ce qu'il fait à chaque fois. Et on va l'appeler pic. Pic. On choisit un channel et on choisit un œuf. On n'a pas besoin de refaire le truc à chaque fois. Donc on choisit un channel, on choisit un œuf et ensuite on attend qu'il y ait une réaction pendant une seconde. 10 secondes. C'est ça? Error time. Bon, ça, je sais pas exactement ce que ça fait. Faudrait que j'aille lire la doc de await reaction message de ce qu'il fait. Mais je pense que ça attend un certain temps que quelqu'un ait cliqué dessus. Dès qu'il l'a, bim, on récupère le mec qui a cliqué dessus. Et ensuite. Donc, collected, c'est une map. First, c'est une map. User cache. Je sais pas. Je sais pas trop. La fois, j'allais lire la doc de exactement la donnée qu'on a. Mais je crois qu'il m'avait montré que le cache c'était une map et du coup là on récupère les clés, on le convertit en array pour pouvoir facilement prendre le deuxième élément. Ensuite, je sais pas pourquoi pas le premier. Peut-être que c'est pour ignorer, ça, je sais pas. Je suis pas sûr. Je pense que ça mériterait un find, mais bon, bref. On va faire ça, on va laisser comme ça. Where query. Ok, donc là je récupère mon user. Et ensuite, là il rajoute des points. Donc, combien j'avais de points? Attends, j'ai inversé, mais c'est if user. S'il l'a trouvé, sinon. S'il l'a trouvé, il prend ses points et il lui rajoute un point. Et eh ben alors ça c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'on fait ça. On fait égal point plus 1. Faut éviter de faire des calculs comme ça, parce que en fait imagine il y a deux points qui sont. Bon bah là ça sera pas un problème dans ce cas-là, mais. Bon déjà, ça fait moins de code. Je peux enlever cette ligne du coup. SQL le gère très bien. Et c'est surtout, ça permet de s'assurer que il n'y a pas un moment où tu aurais eu deux points qui arrivent très proches et le deuxième point écrase le nombre de points du premier point. Tu peux pas avoir ce genre de truc. Dans l'autre cas, le gars peut tricher, genre se mettre 1000 points peut-être d'une certaine façon. Non, bon, pas là, mais c'est plus fiable de faire ce qu'on peut faire en SQL généralement. Et là, encore une fois, même truc, on va juste faire. Donc, alors, là, deux petits trucs. Déjà, rajouter ça à la fin, ça ne sert à rien. Et ensuite, en fait, il faut utiliser ça. Tac. Donc. Alors, ça va être un
on va l'appeler user add point. J'ai l'impression qu'il a que user de toute façon, donc on n'a pas besoin de mettre user partout. Create table. Merde. Table.get. Ouais, je vais mettre même plutôt que where pour que ça prenne mon. Moi j'aime bien que ça prenne pas. On Discord ID. Ouais, if Discord. Bon, on va laisser where. Et add point. Donc là du coup, queries.add point pour ce Discord ID. Sinon. Et là, il le crée. Hop là. Queries.create add user. Par exemple. Add user de point. Hop. Ok, ensuite on veut qu'on le run avec la même chose. Je pourrais faire un truc de bâtard, mais je ne vais pas le faire. Je suis pas un bâtard. Je pense que ça mériterait un petit dernier quand même. Mais c'était ça le truc de bâtard, c'était de mettre un ternaire, mais à ce niveau-là. Non, je ne vais pas faire ça. Pas faire ça. Je joue quand même avec l'idée dans ma tête en me disant peut-être que je vais faire ça en fait. Mais non. Alors, si on a un user, je vais ajouter un point. Sinon, je le crée. Ok. Je pourrais faire create que add. Create user. Ensuite, on supprime le message. On envoie un truc qui dit hey, c'est bon, il a eu son point. Et on fait ce check tous les 5 secondes du moment où on est en ligne. Très bien. D'accord. Donc en gros, il va pop un œuf tous les 5 secondes dans un channel random. Il y a un user qui va cliquer, le premier user qui réagit dessus. Il le récupère. Et après, il faut attendre avant qu'il y en ait un autre qui pop. Donc maintenant, il gère p.exclamation classement. Et là, il affiche le top 15. Donc, ça se pareil, on peut le prépare plus haut. Donc là, on va dire top 15, hein, tout simplement. Et top 15 all. Pourquoi il appelle ça get top 15? On peut faire ça directement. Hein. Faut savoir que for off va exécuter la query qu'une seule fois, la première fois, et après il itère dessus. Donc c'est pas un problème de le mettre. Ouais. Donc pareil pour réduire l'indentation, je vais faire. Si c'est pas point d'exclamation classement, on fait rien. Tam. On peut tout réduire de 1. Ensuite, alors, pour chacun de nos trucs, il augmente le counter de 1. C'est l'index, donc. Ok, bon. Alors, je ne sais pas si .all retourne un array, mais on va dire que oui. Dans ce cas, on va faire ça un peu plus proprement. On va faire un map. Enfin, proprement. C'était pas ça, là, mais c'est juste une façon de voir. Donc là, on a notre data. En fait, on peut prendre directement ce qu'on veut. Discord ID, virgule, points. On va aussi prendre l'index.
qui est le deuxième argument du map, du coup. Et là, on peut retourner notre string. Points. Et counter, du coup, ça va être juste test index plus 1. Parce qu'il commence à 0. Voilà. Ensuite, je suis même pas sûr qu'il y ait vraiment besoin d'une DB pour son truc, mais bon, c'est plus sûr. Puis un petit SQLite. Hein, ça n'a jamais tué personne. Ça n'a jamais tué personne. Bon, voilà. Du coup, ça, on peut même le sortir. On va appeler ça const generate top line. Ah, j'ai pris une parenthèse en trop. Generate top line et point join avec le retour à la ligne pour qu'il en fasse un par mail. Qu'on peut virer tout ça. Voilà. Et là, ça me semble pas trop mal. Logiquement, il faudrait un truc pour arrêter ce set intervalle. Donc, je sais pas trop comment. Let intervalle. Bah, logiquement, s'il y a une erreur, il kill. Donc. Cet intervalle, il va se faire arrêter, il n'y a pas besoin d'arrêter. J'ai rien à sauvegarder. Voilà. Voilà comment j'aurais refactor ce truc-là. Donc on voit que la différence principale, c'est d'un point de vue de structure du code, on a ces deux trucs statiques qui sont remontés. Cette fonction, bah, je les ai collées par rapport à où elles sont utilisées, mais ça aurait pu aller ailleurs. Et puis, petite caisse. Ça fait du bien. Quoi d'autre? Derrière, tu me déconcentres. J'ai stressé le code, sérieux. Petit clous. Donc voilà. Bah, de toute façon, je finis, de toute façon, c'est pour ça que je me permets des petites libertés au niveau de la structure. Voilà. Ouais, je remontais toutes les queries, comme ça, s'il y a une erreur dans les queries, bah, elle ressort tout de suite. Sortir ce qui n'avait pas besoin d'être dans la fonction check de la fonction check, donc là, on voit bien plus facilement tout ce que fait la fonction check précisément. Et puis virer une boucle, remplacer par un petit map, join. Ça, c'est toujours solide. Et le user, on vérifie juste qu'il existe, mais on s'en sert pas finalement, on n'a même pas besoin de prendre ses points. Donc, sur ma query qui récupère le user, elle est où? C'est where Discord ID, select. Étoile. Bah, au lieu de select étoile, on peut prendre peut-être que count. Je sais pas. Ou peut-être je prends juste Discord ID. On sert pas des points de toute façon. C'est juste pour voir s'il existe ou pas. Bref. Pas sûr que ça change grand chose. J'essaie à chaque fois de sauvegarder, mais ça ne sert à rien. Voilà. Fini. C'est la totalité de cette review.